Ses yeux ont été le trésor de sa vie. Ils lui ont ouvert toutes les portes de la notoriété. Ce trésor, c'est un ami qui l'a découvert. Ce trésor, c'est un charlatan qui l'a perdu. Aujourd'hui, Antoine Giacomone y voit à peine. Mais il connaît suffisamment les images de son parcours pour les raconter avec ou sans filtre. Allez Antoine, quelques marches là. Ouais. Et bienvenue dans votre vie. Ouais. Qu'on va retracer à travers les photos marquantes. Oui. Et avant vous, il y avait d'autres personnes. Oui. Il y avait des personnes qui sont là. Ah ouais. Alors. Je commence par ça là. Et oui. Alors ça, c'est mes parents, Annoncia et Ange. Je crois que ça doit être pris en 47, que je n'étais pas né, hein. C'était une dizaine d'années avant ma naissance. Parce qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes, oui, vos parents. Ah oui, voilà, c'est ça. Ma mère avait 14 ans quand ils se sont mariés, et mon père 18 ans. Mais il était mineur lui aussi, il a dit « j'ai pas fait de détournement de mineur hein. ». Donc voilà, ils se sont mariés à cet âge-là. Ils se sont rencontrés comment, vos parents? Ah, mon père était berger. Et ma mère est de Borgo. Mon père venait de route, par les routes derrière le Montestel. Hein? Et donc, il l'a rencontré comme ça. Et ils sont tombés amoureux éperdument l'un de l'autre. Et ils se sont mariés. Ils n'ont pas voulu passer par la case fiançailles et tout. Ils se sont évadés, comme on dit, hein, scappati. C'était qui, votre maman? Pardon? Votre maman, c'était qui? C'était quelle femme? Ah, c'était une femme... Elle était belle. Ouais. Elle avait du caractère, c'était une vraie maman bélier. Avant ses enfants, il n'y avait rien qui passait. C'était une vraie femme corse, quoi. Qui avait du caractère et du cœur et de l'intelligence. C'était une mère comme je souhaite à tout le monde. D'en avoir. D'en avoir une, un jour. Et puis très belle. Oui, elle était une très belle femme. Elle avait le plus beau nez du monde. Oui, elle avait tout, elle avait tout. Mais elle ne se reposait pas sur sa beauté, elle s'en fichait de ça. Ouais. Hein, c'est pas ça, mais c'était une femme qui était plus mère que femme, quoi. Et Ange, oui. Qui c'était Ange. Ange. Bah, Ange, il porte bien son prénom. C'est ça qui est très joli, c'était un ange. Et lui, du coup, il va abandonner son métier de berger, Ange. Oui, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les subventions pour la ruralité, à l'époque. Ouais. Donc, il est obligé de vendre ses troupeaux et ils vont aller s'installer à Bastia, quoi. Alors, on voit une photo là où vous êtes ensemble. Oui. Mais cette photo, en fait, elle est un peu trompeuse parce que vous arrivez dans une famille qui est déjà nombreuse et vous, en fait, vous n'allez pas passer les premières années de votre vie avec vos parents. Vous allez passer les premières années de votre vie... Venez, Antoine. Ouais. Avec elle. Oui. Ouais. Oui. C'est ma grand-mère Rose. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie, même si j'ai été séparé d'eux. Je dis merci pour cet amour reçu en double, alors que d'autres n'ont même pas reçu la moitié d'un. J'ai eu deux mamans, voilà. La mère de ma mère et ma mère, voilà. Ça, c'est... Ça vaut tous les lotos du monde, quoi. Ça vaut tout. Et pourtant, c'est pas gagné à la base, parce que quand vous allez chez elle, oui. Elle habite... Le confort est très, très, très loin de ce qu'on entend aujourd'hui. Bah, il n'y en a pas, pour ainsi dire. C'est plus que rudimentaire, c'est l'Afrique. Il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. Mais c'est très propre. Voilà, ça, c'est très bien. C'est très élémentaire. Elle est bergère, elle aussi, comme votre grand-père. Oui. Et vous passez vos journées avec cette dame. Et c'est même aussi peut-être la seule personne que vous connaissez, parce que vous êtes coupé du monde avec elle, Antoine. Oui, bravo, vous êtes bien insisté là-dessus, parce qu'en fait, c'était une autarcie totale. Je n'ai jamais vu un enfant de ma vie, sauf quand je vais aller en ville après l'exode rural. Là, je vais découvrir... J'ai des frères et sœurs, par exemple. C'est-à-dire que vous grandissez sans savoir que vous avez des frères et sœurs? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a cette grand-mère qui est omniprésente, qui est magique, hein, qui est à la fois une grand-mère, mais c'est à la fois l'esprit de la nature. Elle est tout. Elle est tout, tout, tout pour moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté du mur de cette bergerie. C'est incroyable. Incroyable, oui. Et de temps en temps, il y a votre mère qui vient là. Oui, ma mère, elle vient. Elle vient, elle vient vous voir. Ouais. Et après avoir parlé quelques instants avec vous,
Elle vous dit, tiens, mon coco, enfin, je ne sais pas comment elle vous appelle à l'époque. En tout cas, Umuchu. Va me chercher des œufs hein, auprès des poules. Ouais. Et vous, vous allez chercher les œufs. Oui. Et quand vous revenez, elle n'y est plus. Oui. Et là, je pleure toutes les larmes de mon corps, quoi. Je veux dire, et puis, c'est horrible. C'est horrible, vous imaginez quand même. Et voilà, et donc, et chaque fois, elle s'en va, et moi, je reste seul. Et il y a ma grand-mère. Donc, au bout d'un certain temps, je me fais un peu une petite raison. Mais c'est très difficile de vivre ce genre de... Ce que je dis, j'ai vécu une éclipse, en fait. Un exil, quoi, total. Et voilà, voilà ce que j'ai vécu dans ma première partie de ma vie. Jusqu'à 5 ans, 6 ans 5 ans, 6 ans, quand je suis retourné. Et puis un jour, il y a votre maman qui revient encore une énième fois. Oui. Et qui vous dit, Umuchu, va chercher les œufs. Ouais. Et là, vous partez. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand je reviens, elle est partie encore une fois. Alors je me dis, bon, ben, tant pis pour moi, quoi, façon de parler. Et là, tout d'un coup, c'est magique. Il y a comme une sorte de résilience. Je la vois revenir, mais je n'en crois pas à mes yeux, puisque chaque fois, c'est toujours le même scénario, c'est toujours le même rituel. Elle s'en va. Et je me retrouve seul avec Mama Rose, d'accord? Et là, tout d'un coup, elle revient, elle me soulève du sol comme ça, elle me prend dans ses bras, elle éclate en sanglots, elle me dit, là, je ne peux plus le laisser, je le prends, je l'emmène avec moi. Et je suis parti. Et elle m'a emmené avec elle. Vers la lumière. Vers la lumière. L'équipe, c'était fini. Et c'était fini, ouais. Et elle m'a emmené à Bastia, c'est ça, ouais. À Lupine. Ouais. Et tout d'un coup, il y avait un mur, et sur un mur, il y a un interrupteur. Et j'appuie ce truc, et tout d'un coup, ça fait de la lumière. Et je trouvais ça magique. Parce que là-bas, il n'y avait que des lampes à pétrole. C'est beau, c'est magnifique, ouais, ça faisait une lumière dorée qu'on allumait que le soir, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a la lumière électrique. Et je trouve ça magique. C'est une deuxième naissance. Oui, et là, je nais une deuxième fois, quoi. Ouais. Et là, j'entends parler français. Parce que jusque-là, je n'avais entendu parler que corse. Et dans ma famille, ils parlent français aussi entre eux. Mais moi, je ne comprends même pas ce que disent mes frères et sœurs. Combien vous avez de frères et sœurs? Deux frères et une sœur. Et une sœur, hein. Voilà. Vous ne comprenez même pas. Et à tel point que j'ai mis cette photo, là, oui. On vous voit en classe. Oui. Et justement, quand vous arrivez en classe à Bastia, on se moque un peu de vous. Ah oui, on me traite de paysan. On me dit quand je vais à l'école, parce que je ne sais pas parler français. Alors du coup, je vais me mettre à apprendre le français à l'école. Je vais apprendre, ça va ? Et à vous dire, ben, je vais le parler mieux que vous, surtout le français. Oui, et je suis venu aussi premier en français, pas en maths. En maths, ouais. J'étais pas bon du tout. Il y a un talent que vous avez, oui. Très jeune, et je l'ai matérialisé avec ceci. Ah. C'est ça, c'est ce dessin-là. Oui. Boutique Milor, 3 rue Neuve, Bastia. Oui. Vous avez un sacré coup de crayon, en fait. Vous êtes bon en français, mais vous passez votre temps à dessiner. Oui. Beaucoup de dessins de mode, d'ailleurs. Hein. Ouais, vos petits copains, d'ailleurs, demandent vos dessins à la fin des cours. Et puis, en grandissant, ce talent continue, parce qu'il y a carrément une boutique de Bastia qui vous demande de faire son logo. Oui, mais vous voyez comme un petit dessin. Mais c'était un truc d'une boutique, c'était grand, il fallait le faire en très, très grand. Vous pouvez imaginer, ça devait faire 1m50 ou 2m, je ne sais pas. Je me demande comment j'arrivais à le faire comme ça, puisque j'étais bon pour dessiner comme ça. Et voilà, et après, on m'a demandé de faire des dessins pour des boutiques ou des choses comme ça, ou des lettres aussi, arts et lettres, quoi. Et je l'ai fait. Et je suis content que vous ayez trouvé ça, parce que moi-même, je ne l'ai pas dans mes archives. C'est votre sœur qui m'a envoyé. Ah, d'accord. Ben, on la salue, on lui dit merci. Bien sûr. Hein, et j'ai mis cette photo parce que là, on vous voit les yeux grand ouverts. Oui. Et en fait, la mauvaise nouvelle de votre enfance, oui. Vous allez la recevoir dès 10 ans. Hein. Oui. Vous avez un problème aux yeux, en fait? Oui, j'ai une maladie très, 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 très rare. C'est une fois sur des millions, ça s'appelle les cataractes congénitales. Et on découvre à 10 ans que... Enfin, je suis né avec, hein, mais on ne l'a pas décelé avant, que j'ai une cataracte congénitale dans chaque œil. C'est deux points blancs au fond de l'iris. Et voilà, et là... Et on vous dit, il y a carrément un ophtalmo ou un spécialiste qui vous dit carrément... À 38 ans, ça va dégénérer, c'est ça? Oui, hein, c'est ça. C'est incroyable. Il vous dit 38 ans. L'âge 38 ans. Il ne m'a pas dit 37 ou 40. Il a 38 ans. Parce que ma mère a dit, quand on lui a lancé la nouvelle, mais pourquoi on ne l'opérerait pas? Elle dit non, parce qu'il faut. Elles sont bien présentes, suffisamment présentes pour être invalidantes, mais il faut attendre l'âge de 38 ans pour qu'elles soient vraiment mûres et opérables. Voilà, à 38 ans, on pourra le faire.
Alors, quand on a, quand on a 10 ans, 38 ans, c'est très loin, hein, on a la vie c'est devant soi. C'est une autre soi, vie, ouais. On n'y pense pas trop. Mais on ne pense même plus y être, enfin, façon de parler. On a l'impression que c'est canonique, quoi, 38 ans. Hein. Hein, alors, on va continuer votre vie dans une autre pièce, parce d'accord. que, en attendant, il va y avoir une rencontre qui va être particulièrement marquante dans votre vie, et on va la découvrir là. D'accord. Allez, venez avec moi. Merci. Attention, il marche. Et donc, Antoine, on parlait d'une rencontre fondamentale. Et la rencontre fondamentale, eh ben c'est celle-ci. C'est Philippe. Ah oui, c'est Philippe qui c'est mon frère, quoi. C'est comme mon frère de cœur, mon frère d'âme. Et c'est quelqu'un qui a changé ma vie. Hein? On peut le dire, on oui. peut le dire. Et je crois que c'est lui qui vous offre votre premier appareil photo. Il ne me l'offre pas, mais presque. Il me fait travailler un peu sur le sien. Après, moi, j'aurai le mien, mais je me suis fait la main sur le sien, sur son appareil. Et avec cet appareil, un jour, eh bien, vous allez prendre ce genre de photo. Ah oui, oui, voilà, très bien. Oh, c'est très joli, le montage. C'est très, très beau. Magnifique. Oui, c'est parmi mes premières photos. Hein, complètement, exactement. Voilà, mes premières pellicules. Et mes premiers modèles, ce sont mes nièces, quoi. Voilà. Et quand il voit ça, Philippe, il dit, toi, tu seras un maître en photo, en fait. Oui, il m'a dit, tu seras un maître de la photographie. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il fallait que je continue et que je laisse de côté le dessin de mode et le dessin. Il a dit, il faut que tu fasses de la photo. Il faut que tu continues là-dessus. Tu seras un maître de la photographie. Donc, extraordinaire, à 18 ans. Pour être un maître, il faut passer par Paris. Donc, vous partez sur oui. Paris, oui, hein, tous les deux. Oui. Lui, il va s'inscrire en musicologie, parce que lui aime la guitare, Philippe. Oui. Hein? Guitare, basse, piano, saxophone. Il joue 6 instruments, déjà, à l'époque. Et vous, vous vous inscrivez en quoi, vous ? Art et archéologie à la Sorbonne. Art et archéologie à la Sorbonne. Oui. Et vous allez être rapidement un petit peu déçu hein, oui. par la faculté. Oui. Et vous allez assez rapidement, par contre, faire des photos. Oui. Assez rapidement être embauché dans le mannequinat, oui, d'ailleurs, oui. notamment. Mais rapidement, vous vous retrouvez quand même 12e ou 13e assistant, quoi. Oui, c'est ça. Et on vous laisse entendre que pour passer premier assistant, il va vous falloir du temps. Oui, ils me disent une dizaine d'années, quoi. Ah. Mais pour accélérer encore plus les choses, il dit, moi, ce que je te propose, c'est que pour être connu à Paris, en fait, s'il faut tout ce temps, autant prendre des raccourcis. Et pour prendre des raccourcis, il vous propose d'aller sur le nouveau continent et vous vous retrouvez. Oui. En Jamaïque. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est beau. Merci. Ouais, on est en Jamaïque, là. Et Philippe, il a un rêve, il a une ambition. Il veut devenir le premier bassiste blanc à être intégré dans un groupe de reggae jamaïcain. Une aventure extraordinaire. On voit tous les deux, là. Ça doit être magnifique. Merci. Là, vous êtes dans les studios avec le t-shirt Jamaïque. Oui. Mais vous, vous ne perdez pas votre temps non plus, justement, en Jamaïque. Parce que pendant que Philippe fait son trou, vous, Antoine... Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, je commence, je m'adapte, quoi. Je fais de la photographie. Je photographie la scène reggae, quand même, mais pas des moindres, hein, puisqu'il y a Bob Marley, il y a Jimmy Cliff, il y a Lee Perry qui a inventé le son du reggae. Vous faites d'accord. des photos absolument magnifiques, notamment celle-là, là-bas. Merci. De Jimmy Cliff ah, oui. avec son fils. Oui, son enfant caché. Et cette photo... Oui, qui va me faire connaître. Ça va vous faire connaître, justement. Oui. Parce qu'en fait, avec ces photos, vous retournez à New York. Ah oui, merci. Waouh, New York. Belle image. Très, très belle. Et oui, qu'est-ce alors... qui se passe quand vous arrivez à New York, justement, avec ces photos ? Ah ben, quand j'arrive à New York, je vais aller voir Rolling Stone Magazine pour leur proposer mes photos. Et là, effectivement, on vient vous voir et on vous dit... Ben, t'es bon, toi. Enfin, j'imagine qu'on doit vous dire t'es bon. Enfin, je pense qu'on oui, vous fait oui. des compliments, j'imagine. Oui. Et est-ce que ben, tu pourrais pas nous sortir d'autres stars, non ? C'est comme ça que ça se passe ou pas ? Voilà, c'est comme ça, oui, exactement, comme vous dites. Alors, ils me disent, bon, pour l'Europe, moi, je vois un personnage, c'est eux, ils sont intéressés par ce personnage qui s'appelle Nico. Pourquoi ils sont intéressés par ce personnage qui s'appelle parce Nico ? Parce que Nico, c'est la chanteuse du Velvet Underground. Ouais. Le Velvet Underground, c'est, si vous voulez, c'est, on parle toujours des Beatles.
On parle des Rolling Stones, et puis il y a ce troisième grand groupe mythique qui s'appelle The Velvet Underground, qui a été découvert par Andy Warhol. Et Nico est la chanteuse du Velvet Underground. Le Velvet, c'est le groupe de Lou Reed, le fameux Lou Reed. Enfin, il y a d'autres personnes, mais c'est surtout Lou Reed, l'auteur-compositeur, si on veut. Il y a John Cale aussi, bien sûr, ils sont talentueux. Et donc Nico, c'est un peu la Greta Garbo du rock, si on veut. Elle brille par ses absences. On n'a plus de nouvelles d'elle, on n'a plus de photos. Et donc tout d'un coup, c'est la photo que tout le monde recherche, que tout le monde voudrait avoir. Et donc on vous dit, est-ce que tu la connais pas, Nico, toi ? Oui, je la connais. Mais avec Nico, on a un pacte de non-photographie. On me dit, si tu veux qu'on reste amis tous les deux, il ne faudra jamais qu'il y ait de photos entre nous. Parce que je ne veux plus jamais voir ni un photographe, ni un appareil photo de ma vie. Voilà, alors donc... Un pacte de non-photographie. Oui, c'est joli le nom. Oui. Pacte de non-photographie. Voilà, il ne fallait jamais que je la photographie. Et alors, qu'est-ce que vous dites au magazine ? Alors, ben, je leur dis, ben, écoutez, c'est bizarre que vous me proposiez ça, alors que je ne peux pas le faire à cause de ce pacte de non-photographie. Et donc, j'ai dit, mais je vais lui en parler. Donc, du coup, elle me dit, mais tu sais très bien que... J'ai dit, mais si tu veux, tu ne la fais pas. Mais au moins, retourne à New York. On ne t'a pas oublié, fais quelque chose, va là-bas. Puis elle réfléchit, et puis elle me dit, bon, ben, si je dois faire une photo, tant qu'à faire, je la ferai avec toi. Et puis, mais quand même, elle ne la fait pas volontiers. Elle n'a pas envie, elle ne veut plus voir, parce qu'elle a été un grand top modèle des années 60. Elle a tourné pour Fellini dans le Dolce Vita. Elle a fait des films avec Garel. C'est incroyable, Nico. C'est une muse, une vraie muse. Et puis, tout d'un coup, je dis, bah, écoute, tu fais comme tu veux. Moi, je te fais passer le message. Elle me dit, bon. Alors, je lui dis, mais moi, si tu veux, on le fait ensemble. J'ai une idée, j'ai un concept dont je ne t'ai pas parlé, parce que, etc. Et puis, je lui ai dit, tu verras avec ça, tu verras ni un photographe, ni un appareil photo. Ah, elle me dit, et c'est quoi ? Et c'est ça. Voilà. C'est ça. Pardon ? Eh ben, c'est ça, le concept. Ah oui, voilà, c'est ça. Merci, c'est très bon. C'est quoi, ce concept ? Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est le mirror concept. Donc, c'est mon invention. Tout est inversé dans ce procédé. C'est ça qui est intéressant, qui fait son intérêt. C'est que normalement, quand vous photographiez quelqu'un, vous êtes face à la personne, vous avez comme une arme que vous brandissez sur lui ou sur elle. Et moi, je trouve ça agressif, hein, façon ouais, de parler. Donc, la personne, c'est normal qu'elle se ferme. Si on vous braque, vous vous fermez, c'est normal, c'est une réaction défensive. Donc, tout est inversé. Et le photographe, je passe derrière son épaule. Ah, c'est tout simple, mais il fallait le trouver aussi. Donc, elle se regarde dans le miroir. Et du coup, le procédé est intéressant en ça. Je parle, j'avais 22 ans à l'époque. J'étais un gamin, quoi, pour ainsi dire. C'est que du coup, on n'est plus deux, mais on est trois. Il y a vous, moi et votre reflet. Et le reflet, on travaille à deux sur ce troisième personnage, façon de parler. Et il y a un point de fuite dans un endroit où on va, qui a un horizon lointain, qui sont les carrés qui sont dans les yeux, voilà, qui deviendront la signature. Et avec ce procédé, on voit l'âme des gens, quoi, en fait. Et cette photo, ça fait un carton, parce que vous l'envoyez aux États-Unis. On redécouvre Nico, qui avait disparu oui. depuis quelques années. Oui, oui. Et du coup, la réaction est presque hystérique. On vous dit, ben, il nous en faut d'autres. Oui, voilà. Hein? Quelques temps après, en fait, bien, on vous propose toutes les stars du rock'n'roll qui défilent sous votre mirror concept. Voilà, toutes les filles du rock et tout. C'est Marianne Faithfull, Len Lovitch, enfin, Ellie Medeiros, les Stinky Toys, Safo, enfin, Armand Altaï, enfin, toutes les filles du rock. Quoi. On me demande de faire 10 pages dans Rock et Folk avec mon concept. Après, ce sera les filles du rock et puis ça sera aussi les auteurs de BD. Enfin, oui, il y a tout le monde qui va oui. passer. Vous devenez, ah, oui. vous devenez vraiment... Ah oui. Effectivement. Comment vous appelez ? Vous avez un surnom à l'époque. Le Wonder Boy de la photo rock. Le Wonder Boy de la photo rock. Le merveilleux garçon de la photo rock. C'est beau quand même. J'avais de la chance. Vous êtes tout jeune, effectivement. Voilà. Merci. Gainsbourg. Alors voilà. Ouais, Adjani. Alors ça, c'est Lou Reed. Isabelle Adjani. Ça, c'est avec Lio. Oui. Ouais. Ça, c'est Bambou, la très belle Bambou, la femme de Gainsbourg, hein, la deuxième. Ça, c'est la belle Ellie Medeiros avec Étienne Daho qui commence pour sa première pochette de disque, qui était un inconnu total à l'époque. J'ai fait sa première pochette mythomane. Et ça, c'est Dépêche Mode. Et ça marche, et ça marche. Vous exposez, vous faites une première expo oui. À la Galerie des Lombards. À la Galerie des Lombards, qui doit durer que quelques semaines, puis ça va durer 6 mois. C'était devenu énorme. Je ne m'attendais pas à ça, quoi. Je veux dire, c'était énorme, énorme. Tout va bien dans votre vie, oui, en fait, Antoine. Oui, tout va bien dans ma vie. C'est magique. Sauf qu'après votre deuxième naissance, ouais. il va avoir lieu votre première mort. Ouais. Et cette première mort, hein, on n'en parle pas de là.
On en parle dehors? Ouais, si vous voulez. Allez, venez avec moi. Merci pour les photos, c'est très beau. Ah, c'est les vôtres, hein? Ouais, c'est sûr, vous l'avez. Et donc, Antoine? Oui. Le 7 mai 83, vous avez rendez-vous avec Philippe, à Paris? Oui. Et Philippe, il n'arrivera pas. Voilà. Et malheureusement, Philippe est mort d'un accident de voiture en revenant de Londres, du côté d'Amiens. Et ce jour-là, la vie, c'est... J'ai perdu la moitié de moi-même, quoi. J'ai perdu mon double bénéfique. Mon frère d'âme, quoi, mon frère de cœur, quoi. Et je meurs pour la première fois. Et vous mourrez pour la première fois. Ouais. Du coup, la vie devient insoutenable. Et pour vous redonner goût à la vie, oui. Pour vous aider à ne pas mourir, finalement, on vous retrouve ici. Ah oui. Je me retrouve en Colombie, chez les Amérindiens, ouais. Dans un village chez les Cogis Arhuacos. Et les Cogis, moi qui ensuite, dans mon chagrin, dans ma douleur totale d'avoir perdu Philippe, eux, les Cogis, ont décidé de s'auto-génocider, c'est-à-dire de se stériliser, de ne plus jamais faire d'enfants. Ils disaient, on préfère mourir que de vivre comme des rats. Et ils ont lancé cet appel à l'international, à l'humanité. Et quand vous êtes confronté à ce genre de problème horrible, d'un auto-génocide, vous relativisez un peu votre douleur, quoi. Après ça, vous revenez à Paris. Oui. Et le succès revient, en fait. Hein. C'est toutes les pochettes de vos disques. Oui, une partie. Voilà, une partie, exactement, toutes, je dis toutes. Mais Dany, oui. Les premières pochettes d'Étienne Dao, effectivement. Oui. Oui. Tombé pour la France, Affiletta, oui. Enfin bref, Gypsy King. Oui, c'est très varié. Ça montre un peu tout le genre de musique que j'ai travaillé, quoi, avec qui j'ai été en contact. Et puis arrive l'année 1991, ou 91 aussi, c'est la date de la première sortie d'un livre, ah. Celui avec en couverture Serge Gainsbourg, et puis tous les autres livres que vous allez éditer qui sont tous des succès. Merci. Track, hein, Reggae Jamaïca, effectivement, toutes les photos que vous avez faites à l'époque en Jamaïque. Ouais. Spécial Nico, Les Catalans à travers le miroir, un livre absolument merveilleux. Merci. Votre papa en couve, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais votre père, c'était une gueule, hein. Oui, oui, ah, il avait une tête merveilleuse. Il a d'ailleurs été choisi pour l'enquête corse. Oui, aussi, l'enquête corse, hein, on se souvient, dedans, effectivement. Il a un petit rôle dans l'enquête corse. Oui, petit rôle, mais un bon rôle. J'ai envie de dire, ça repart. Et puis arrive l'année 1995. Oui. 1995, vous avez 38 ans. Ah oui, c'est horrible. Oui, oui. Et voilà ce que vous voyez, en fait. Et voilà, ouais, je ne vois pas grand-chose, quoi. Je regarde, je m'approche. Oui, en fait, on ne s'imagine pas, vous allez passer entre les mains, comme on peut dire, d'un charlatan quand même. Je sais que vous n'aimez pas dire du mal. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais il y a quand même quelqu'un qui vous abîme complètement la vue, oui, en croyant vous soigner. Mm-hmm. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, suite à cette opération, vous allez passer des années d'enfer, en fait. Oui, d'enfer, oui. C'est un véritable supplice. Je dis les yeux, ce qui a fait ma notoriété, ce qui a fait ma joie de vivre, et en même temps, c'est ma plus grande douleur, quoi. Les deux sont dans le même périmètre, quoi. Si on va avec cet œil-là, je voyais double à l'horizontale. Un, je le voyais 11 000 fois, par exemple, et ici, je le voyais décuplé dans ce sens-là, et en même temps. Donc, on se demandait même comment j'arrivais à ne pas devenir fou. Alors, j'ai dit, c'est peut-être parce que je fais du zen et que j'ai appris. Mais justement, tiens, d'accord. La photo, là, ouais. Je regarde. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes mis dans cette posture-là, oui. Dans la méditation. Ah oui, pour moi, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. C'était extraordinaire, les portes que ça m'a ouvertes. Et c'est ça qui m'a aidé à tenir dans cet enfer, quoi. C'est la méditation, le zen. Hein, là, je parle de la méditation zen. La méditation zen assise. Hein, c'est une technique particulière. Oui. Si la position est juste, Antoine, la pensée est juste. Oui, c'est voilà, ça. C'est ça exactement. Si c'est pas la posture, c'est une imposture. Donc il faut que ce soit la posture juste pour que le reste suive. Et c'est extraordinaire cette plongée au fond de soi. Et c'est comme un miroir, quoi. Comme on dit, les plus belles rencontres, c'est celles qu'on fait avec soi-même. Hein. Et ça, c'était la rencontre que j'ai fait avec moi-même, quoi. Et c'est vrai le dicton qu'on
On ne voit bien qu'avec le cœur. Oui. Et voilà, et ça rejoint cette phrase que j'adore, hein, qui est d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et ça, quand vous perdez vos yeux, cette phrase, elle rentre en vous avec une telle résonance que tout d'un coup, elle vous aide à vivre, quoi. Vous dites, bah bon, étant donné que je suis reconnu comme un grand photographe, sans prétention, quand je dis ça, que mes yeux ont prouvé ce qu'ils valaient, leur valeur, hein, qu'elle s'est inscrite, et que tout d'un coup, vous n'avez plus vos yeux pour vous défendre, qui est votre meilleure arme. C'était mon passeport dans le monde, où que j'aille, on m'ouvrait les portes avec mes yeux, et de prouver que, bah, qu'il y a autant d'authenticité, autant de force, de vérité, et de justesse, et de vérité. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui m'a aidé à tenir. Et il y a autre chose qui vous aide à tenir et qui compte énormément aujourd'hui. C'est ça, Antoine. C'est le tarot. Ah oui, bien, ben, vous êtes fort quand même. Ah, c'est bien, vous qui êtes fort là, pour le coup, Antoine. Hein. Oui. Parce que de repartir sur un nouveau projet, en fait. Oui. Alors, on le voit un petit peu de loin, hein, oui, bien oui. sûr. C'est vous qui dessinez. Qu'est-ce que c'est cette passion pour le tarot qui vous a pris? Ça vous a pris quand, ça? Alors, j'ai dessiné un jeu qui s'appelle, c'est le tarot, hein, c'est, qui est une sorte d'hommage à la Corse aussi, hein, donc je ne l'oublie pas. La Corse, je l'ai toujours emmené avec moi. Alors donc, c'est un jeu où j'ai inventé, si vous voulez, une structure, une méthode. C'est à la fois un support de méditation, mais en même temps, il est divinatoire aussi. Parce qu'un tarot, s'il n'est pas divinatoire, ce n'est pas un tarot. D'accord ? Et j'ai dessiné toutes les cartes une après les autres en allant au plus profond de soi. Et d'abord, il fallait sortir le dessin, la structure graphique, qu'elle soit suffisamment forte pour parler à un inconscient collectif et qu'il soit le plus universel possible. Et ensuite, à partir de ça, il fallait faire fi de cette beauté graphique, si grande, si puissante soit-elle, pour parler à l'âme des gens. Et il fallait concilier les deux. Donc c'est beaucoup pour une seule personne. Et ça prend des années, des années, des années. Et là, touchant du bois, j'en suis pratiquement à la fin. Et je pense que c'est ma deuxième invention après le mirror concept. Voilà, quand j'avais mes yeux, c'était le mirror concept. Quand je les ai perdus, je suis allé au fond de moi et il fallait que je sorte ça pour survivre, pour continuer à vivre, pas être en poids mort quelque part, quoi. Je ne peux pas supporter d'être en poids mort quelque part. Il faut créer quelque chose. Donc, ce sont mes deux inventions sur cette terre, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal pour un seul homme, hein, Antoine. Merci, c'est gentil. C'est déjà pas mal pour un seul homme. C'est gentil de votre part. On attend la sortie, parce que là, oui. Pour l'instant, c'est un petit peu confidentiel, mais voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais ça va donner. Ah oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr, comme tout ce que vous faites, Antoine. Allez. Merci. La dernière photo, c'est moi qui la prends. Venez à côté de moi. Merci. On fait le selfie. Hop. Voilà, merci infiniment. Merci à vous. Antoine, pour cette balade en votre compagnie. Merci. On a appris beaucoup de choses. Merci. Longue vie à vous et au tarot. Oui. Mais longue vie à vous, surtout. Hein? Merci. À bientôt. Et à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.